Allez-vous? Ah, voilà. Là, on pourra mettre une petite étoile à côté de Barbeaux Yeux dans notre notebook. On est très en forme, on est content d'être avec vous. Il fait beau, il fait chaud. On va en profiter. J'espère que vous allez passer avec nous une belle soirée. Mesdames, Messieurs, notre régisseur, Simon. De ce spectacle. Il joue des claviers, de la batterie, de la basse et du xylophone pour enfants. Mesdames, Messieurs, Jean-Luc Léonardon. Et avec son casque, il nous l'avoue, il est fan de David Guetta. À la batterie, aussi à la guitare, au chant. Tu fais rien d'autre, hein? Ah oui, tu fais du wave drum. Et il fait le ménage dans les loges après. Mesdames, Messieurs, Antoine Monard. Guitare, basse, chant. Et c'est lui qui s'occupe de flatter la chanteuse dans le sens du poil. Il a toujours le petit commentaire gentil. Mais bon, on sait que c'est malhonnête. Mesdames, Messieurs, Fabrice Ragot.
J'habitais, il n'y avait pas beaucoup de musique francophone à la radio, donc j'écoutais, enfin je l'avoue, un peu plus de musique en anglais. Et une de mes chansons préférées, j'avais envie de la chanter ce soir. Je pense que vous la connaissez. Alors laissez-vous aller chanter. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, ou qui ne savent pas les paroles, hein, parce que je sais qu'il y en a plein qui parlent anglais, mais juste vous ne connaîtrez pas les paroles, vous avez le droit de faire des la-la-la. C'est dommage parce que c'était bien parti. Il s'est joué de la cuillère aussi, au pire. Est-ce que ce festival a payé son électricité ? Changement de guitare. T'es vraiment, vraiment, sincèrement, le musicien le plus versatile que je connais. Tu t'adaptes dans toutes les situations, c'est formidable. Tu seras payé la même chose. Just a stranger.
on s'accroche au truc qu'on a déjà. On a peur de changer, même si dans le présent, on n'est pas super bien. Je n'arrive plus à te surprendre, mais c'est peut-être normal que l'amour devienne machinal et te mal de moins en moins temps. Je n'arrive plus à t'atteindre, il y a comme un goût de sourd dans une fissure qui s'engouffre et nous empêche de nous rejoindre. On ne trouve plus pour se séduire que des plaisirs illusoires. Alors on se raccroche à des branches qui se brisent. Alors on se raccroche jusqu'à un jour lâcher prise. Alors on s'habitue. On s'habitue à tout. Et puis on continue comme on va jusqu'au bout. Et puis on continue même si c'est du temps perdu. Ah, I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream. So put it in all of the papers. I'm not afraid. They can read all about it. Read all about it. Par contre, de travailler avec eux, c'était ma meilleure idée. Si j'avais su que t'étais assis dans les parages, j'aurais gardé mon cœur un peu plus en cage. Des bêtises inutiles, on en a trop donné, mais pas un seul dans le mille comme les tiennes déposées. Mais je pouvais pas savoir que t'étais planqué dans la nuit. On m'avait dit l'espoir, c'est juste fait pour m'en souffrir. Et si tu m'y autorises, avec toi je viendrai m'asseoir. Et on jettera toutes nos valises au fond d'un grand trou de mémoire. Et son écran complexe, nager dans le passé avec les sexes et les excès. Le temps qui nous reste, passons-le. Découpé au couteau, tout ce brouillard. J'aurais laissé mon cœur plus souvent au placard. J'aurais gardé au chaud le moindre de mes regards. Parce que c'est ton visage, tes mots et ton sourire en coin, mon unique présage de Noël, de mon destin. Et si tu m'y autorises, avec toi je viendrai m'asseoir. Et on jettera toutes nos valises au fond d'un grand trou de mémoire. Nager dans le passé avec les cesses et les excès. Le temps qui nous reste, passons-le à s'aimer. Toi mon réflexe, ma meilleure idée. Hey, wow, wow, ma meilleure idée. Hey, vous m'entendez pas. Là, vous m'entendez. On recommence. Encore sans la tête, encore
tout est moi qui m'abandonne, toujours aux abonnés absents. Corps dans le milieu, une balle dans le cœur, c'est peut-être le bonheur qui m'attend. Mais si c'est pas encore, ça se décide en cœur, c'est décidé mon cœur, je le vends. Encore une aventure m'attend, j'entre les dents, je me perds dans la jungle de mes sentiments. Et je me sens l'amour qui te monte dans le ciel et qui t'écarte partout. Oui, je me sens l'amour comme mes cheveux c'est le vent et dans mon cœur c'est la guerre. Je me sens l'amour qui te monte dans le ciel et qui t'écarte partout. Oui, je me sens l'amour qui te met le cœur en fâche et le cerveau à l'envers. Partie de mes chansons de l'été. Ça a été la chanson qui m'a accompagnée partout, que j'ai chantée sans arrêt, dans ma chambre, dans ma cuisine, dans mon salon, dans ma douche, partout. Et ce soir, je la chante pour vous. Vous la connaissez sûrement aussi. Non, il n'y a pas de douche qui va apparaître. J'ai entendu monsieur rigoler. Ne rêvez pas. Non, 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 non. Mais vous pouvez chanter avec nous. Cause for the rest of my life.
La chanson avec laquelle vous m'avez connu apparemment. Étoiles à côté de Barbezieux. Et c'est rare. Hein. Hier, j'étais en studio avec entre autres Jean-Luc. Et je suis en train de préparer un nouvel album. Attendez, vous ne l'avez pas entendu si ça se trouve. Et cet album parle de moi, parle de là d'où je viens. Parce que, comme je parle français, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis québécoise. Mais en fait, non. Je ne suis pas québécoise, je suis acadienne. Et c'est pas pareil, c'est pas du tout au même endroit. L'Acadie, c'est en dehors du Québec. Et c'est les premiers Français qui sont arrivés, les premiers colons qui sont arrivés en Amérique, sont arrivés en Acadie, entre autres au Nouveau-Brunswick. Et en 1755... Ils ont refusé, pendant la guerre de 7 ans, ils ont refusé de prêter serment d'allégeance au roi de France parce qu'on leur avait promis des terres, donné un pays. Et ils ont refusé de prêter serment d'allégeance à la reine d'Angleterre parce que, on n'était pas anglais. Et du coup, les Français ne les ont pas défendus. Ils sont partis au Québec défendre
ceux qui avaient décidé de rester français et pas de construire leur nouveau pays. Et les Acadiens ont été attaqués en 1755 par les Anglais qui les ont déportés, en Louisiane entre autres. Et c'est pour ça qu'il y a des francophones en Louisiane. Et certains d'entre eux sont restés là-bas et d'autres sont remontés à pied. Ça leur a pris à peu près 20 ans. Ils sont remontés vers un petit village qui est juste à côté de chez moi, qui s'appelle Grand Pré. Et avec l'aide des Amérindiens, ont décidé de construire un petit coin francophone et de ne pas laisser aux mains des Anglais leur terre, de ne pas se laisser déranger, comme on disait chez nous. Ça s'appelle le grand dérangement, cette déportation. Et j'avais envie de vous raconter cette histoire-là à travers une histoire d'amour. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Évangeline et qui raconte, pour nous les Acadiens, le combat que ça a été pour que notre héritage perdure, pour que le français continue d'être parlé dans ce coin du Canada. Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner, tu allais te marier. Ta plus belle robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés, partis toutes les sorcelles. Et le soir au son des violons, les filles et surtout les garçons, t'aurais dit que tu étais belle. See you.
porte ta voix. Les vents du sud portent ton voix, de la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, bien plus qu'une patrie. Ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui, malgré qu'ils soient malheureux, voient ton amour et qu'ils paient. Je sors les gens, mais je crois que je peux.